en 1903, aux États-Unis, premier vol motorisé des frères Wright. En France, Louis-Ferdinand Ferber est un pionnier de l'aviation française. Observateur, expérimentateur et auteur de publications sur les débuts de l'aviation, il effectue le 27 mai 1905 à Chalais-Meudon, près de Villacoublay, le premier vol motorisé en France avec son aéroplane. Dès lors, les Français se passionnent de plus en plus pour l'aviation, mais il est encore rare de voir un aéroplane atterrir près de sa ville. Et les pilotes ne sont pas légion pour tenter l'aventure. Avant l'arrivée de Wilbur Wright au Mans, en 1905, les aéroplanes ne volent pas encore vraiment. Alors, quand 7 ans plus tard, en 1912, le capitaine de la Morlaix, aux commandes d'un Blériot 6, s'oppose sur le champ de manœuvre de la garnison d'Alençon, l'événement est d'importance pour la population. Pour les responsables de la ville, c'est le point de départ d'une longue route pour obtenir la création d'une piste d'atterrissage. L'histoire de l'aviation au pays d'Alençon commence ainsi. Et le 12 juillet 1912, a lieu un premier meeting aérien au champ de manœuvre de la route du Mans, devenu à l'heure actuelle quartier de Persègne. Suivi d'autres meetings aériens, assez notamment les 4 et 5 août 1912. Avec la Grande Guerre, l'aviation prend ses lettres de noblesse, en même temps que ses héroïques pilotes. À partir de 1920, les performances des appareils et l'expérience des pilotes permettent le développement progressif de l'aviation civile et commerciale, avec la poste aérienne et le transport des passagers. C'est dans ce mouvement que la ville d'Alençon poursuit pendant de longues années encore son objectif de création d'un aérodrome au profit du développement de la ville. Nous sommes en 1932. C'est sur ce champ de manœuvre, qui sert de terrain d'aviation, que l'aéroclub de l'Orne voit le jour le 28 janvier de la même année, sous l'impulsion de Francis Cagnard, pilote de chasse, et d'Émile Favriel, qui commençait alors la construction d'un avion. Le premier appareil de l'aéroclub de l'Orne est un Pothèse 36, aux commandes duquel le chef pilote Francis Cagnard donne les premiers baptêmes de l'air et initie les jeunes au mystère du pilotage. En 1936, alors qu'apparut l'aviation populaire qui démocratisa la pratique de l'aviation en France, car l'État, pour promouvoir l'aviation, prenait en charge le brevet d'aviateur. L'aéroclub de l'Orne crée alors une section à Alençon sous la présidence de M. Hénaud Morel. Dans le même temps, des journaux spécialisés sont créés, notamment Les Ailes, l'équivalent de l'infopilote d'aujourd'hui, qui, pour inciter la pratique du pilotage, décerne des prix. En 1938, l'aéroclub de l'Orne devient le premier détenteur de la Coupe des Ailes pour avoir formé 11 pilotes dont les brevets ont été régulièrement délivrés depuis le 1er janvier 1938 par l'aéroclub de France. Les 11 élèves ont été formés par le chef pilote Francis Cagnard sur Pothèse 36 et sur Caudron Luciole. En 1939, l'aérodrome d'Alençon est inauguré route de Paris. Un projet d'agrandissement est très vite envisagé par le ministère de l'Air. Mais l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale va bouleverser l'évolution de l'aéronautique. L'occupation n'arrête pourtant pas l'activité de l'aéroclub. Privés d'avions, les jeunes se consacrent à la construction de modèles réduits. Cette section de modèles réduits est même prospère et s'installe place Masson. Le terrain est remis en état. L'aéroclub s'équipe d'un stamp en 1946 et, en 1947, à l'occasion de l'inauguration du terrain d'aviation, l'aéroclub organise une grande fête aérienne ainsi qu'un rallye aérien du point d'Alençon. L'aéroclub se distinguera en 1964 en gagnant le rallye de Tanger, puis en 1965 en gagnant le rallye de Porto. Un Alençonnais volera même jusqu'au Tchad. 1967, les ailes alençonnaises survolent le Cap Nord. Cette année-là, 107 pilotes réalisent 2000 heures de vol. Le 12 avril 1975, l'aéroclub de l'Orne devient aéroclub d'Alençon et de sa région. Le 26 octobre 1987, le conseil municipal émet un avis favorable sur les termes d'une convention entre la ville et l'aéroclub pour l'exploitation de l'aérodrome.
En 1988, après plusieurs vols de découverte du vol à voile par Christian Vanier avec le SF-28 de Falaise, l'Aéroclub crée avec Alain Gonnet une section vol à voile qui prendra son indépendance 3 ans plus tard. C'est aussi en 1988 que la piste en dur est enfin réalisée, après plusieurs années de discussions et de recherches de financement. ...1989 verra l'acquisition d'un motoplaneur H36 d'Imona, grâce aux subventions du Conseil Général de l'Orne et de la ville d'Alençon. Cette même année est créé un poste salarié de chef pilote chargé de la formation avion et planeur. En mars 1994, lancement de l'opération de vol découverte de l'aéronautique auprès des scolaires et des enseignants. En 1995, suite au succès de l'opération précédente, l'Aéroclub propose la mise en place de la formation du brevet d'initiation aéronautique, le BIA. Entre 1991 et les années 2000, plusieurs jeunes de l'Aéroclub participent au Tour de France aérien. Citons Alain Raison, Pierre Belair, Fabien Gaucher, Robert Lagarrigue et Christelle Nadeau. Cette jeune femme évoluera jusqu'à devenir en 2005 pilote de chasse avec un Mirage F1. La suite, c'est la vie actuelle du club. Tout l'acquis, tout ce qui se voit sur le terrain sont les fruits, les résultats des efforts de tous ceux qui ont œuvré pour une même passion. 2019 signera le passage de l'Aéroclub d'Alençon et de sa région en organisme de formation déclaré et d'être ainsi en conformité avec la réglementation européenne pour permettre de continuer à faire découvrir cette extraordinaire activité qui est la possibilité de voler.